Good morning, allez, idem les titres aujourd'hui, le lundi matin, pour moi, de Chemin Israël, Vethenil, Zohar, Bat Esther et Rosette Zohar, Bat Sultana. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions ma série de Vamod, Perek Tet Vav Mishnah Aleph, Isha She'alcha Hi ou Ba'ala Limdina Tayam. Shalom Beno Levena, Ve Shalom Ba'olam. Ou Bata Ve'amra, Met Ba'ali, Tinase. Met Ba'ali, Titiabem. Shalom Beno Levena, ou Milchama Ba'olam. Ou encore, Tata ben olbena ve shalom baolam. Ubata gamra met baali en anemenet. Rabbi Yehuda omer le olamine emenet. Ela imken baata bocha ubigdea kruin. Amrulo achadzo ve achadzo tinase. On commence le chapitre de Teragunot. Dans la Gemara, il y a quelques tapis, mais à bien approfondir sur ça. Situation très fréquente, malheureusement. Ça arrive, quoi, des maris qui sont portés disparus, est-ce qu'on peut permettre la femme ou pas, dans quelle mesure. On a déjà évoqué dans deux préquimes en arrière, ou trois préquimes en arrière, l'histoire avec le témoin, un seul témoin qui est cru cette fois-ci, alors que dans la Torah en général il faut deux témoins. Cette fois-ci, on a quelque chose d'un peu différent, on a une femme qui nous raconte qu'ils étaient tous les deux à l'étranger, et le mari est mort, elle est revenue toute seule. Et on va voir dans quelles conditions on la croit, et on commence tout de suite. Aïcha Shalcha hi ou Ba'ala Limdina Tayam, une femme qui est partie, elle et son mari, à l'étranger, Medina Tayam, un pays lointain, hors Outre-mer, en bon français. Shalom beno lebena ve shalom ba'olam. Maintenant, quand elle est partie, on sait qu'elle est en bonne entente avec son mari, et on sait qu'ils sont partis dans un endroit où il n'y a pas de guerre, rien de très spécial. Et après, ils sont partis là-bas, ils reviennent, ou Bata ve Amra, et ensuite elle revient, elle nous dit, Met Ba'ali, mon mari est mort. Eh bien, Tinase, elle pourra se marier. Ou encore, Met Ba'ali, elle nous dit, mon mari est mort. Titi Abem, elle pourra faire le hiboum. Selon le cas, soit, si elle a des enfants, on va lui dire, ben, tu es permise, tu peux aller te marier avec n'importe qui maintenant, puisque tu nous racontes qu'il est mort. Ou si, toutefois, son mari n'avait pas d'enfants, on va lui dire, ben, tu peux faire le misa de hiboum avec ton beau-frère. D'accord? Et on va pas, pour le moment, donc, ils sont en bonne entente, et il n'y a pas de guerre dans le monde. À la différence du cas où, Shalom beno lebena ou milchama ba'olam. Par contre, s'ils étaient en bonne entente, eux, mais ils sont partis dans un endroit où il y a milchama ba'olam, il y a une guerre dans le monde. Ils sont partis dans un endroit, ils sont partis à Ouman. Ou en, non, je ne sais pas, l'Ukraine, elle est géante, parce que les gens qui vont à Ouman, ils n'ont aucun rapport avec la guerre. Mais imaginez quelqu'un qui va à côté de. Dans un endroit où ça peut être. Ouais, il peut y avoir une guerre. Alors là, elle ne va plus être crue. De même, on va expliquer tout de suite pourquoi, mais d'abord, je continue la phrase. Donc, Shalom beno lebena ou milchama ba'olam. Si ils sont en bonne entente entre eux, mais par contre c'est la guerre dans le monde, ou encore, Tata beno lebena ve shalom ba'olam. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre dans le monde, mais la guerre elle est entre eux. Ils ne se supportent pas. On va expliquer exactement quel type de choses elle doit dire. Mais en tout cas, on sait qu'ils ne s'entendent pas du tout, et elle revient toute seule. Et bien, et après, ou Bata ve Amra, elle vient, elle nous raconte, Met Ba'ali, son mari est mort, et bien, Enan et Met, elle ne sera pas crue. On explique un petit peu de quoi on parle. Tout d'abord, l'histoire, si jamais eux ils sont en bonne entente. Mais le problème, c'est qu'ils sont partis dans un endroit où il y a une guerre. Quand il y a la guerre, c'est la pression. On voit des gens tomber, et on n'est pas sûr qu'ils sont morts, et la gamine nous appelle ça Bededami, elle est Bedamiennette. Elle suppose que son mari il est mort, mais elle n'en est pas sûre. C'est-à-dire, en fait, il y a une. Naturellement, ouais, pour pouvoir assurer que quelqu'un est mort, il y a de la chôte sur ça. Je crois même que c'est dans ce chapitre, on va raconter précisément qu'est-ce qu'il faut voir exactement. Oui, ça va être dans ce chapitre. Il faut voir réellement qu'il n'a plus de souffle, il a des halakhot spéciales. Mais imaginez qu'il y a eu une embuscade, ça a attiré, elle a vu son mari jeté par terre, hein, ils sont partis et puis ils ont laissé. Elle va naturellement, elle va se dire, même sans bien préciser, sans être sûre de son coup, elle va trop vite conclure que son mari est mort. C'est pas qu'elle va mentir, elle va pas faire exprès, mais elle va trop vite conclure que son mari est mort. En l'occurrence, s'il y a eu une histoire d'embuscade, on pourra pas la croire. Donc s'il y a eu une guerre, ils sont partis dans un endroit, facilement, elle va croire, bien imaginer, ils sont partis, il y avait un couvre-feu, ça tirait dehors, son mari, il est parti, bidouk, parce qu'il avait besoin d'aller chercher de l'eau ou aller aux toilettes, et puis, elle a entendu des coups de mitraillette, et son mari qui est parvenu. Bah, logiquement, elle a regardé par la fenêtre, elle a vu qu'il y a eu, effectivement, elle n'a pas pu traîner, elle a dû vite s'enfuir. Elle va naturellement conclure que c'est son mari qui est mort, surtout que psychologiquement, elle a un stress de rester toute seule, veuve en attendant Aguna toute sa vie,
Donc elle va vite conclure que son mari, après elle va débarquer dans un autre pays, elle va dire ouais, mon mari il est mort à la guerre. C'est pas vrai, son mari n'est pas mort. Elle suppose, mais c'est pas assez certain, on ne pourra plus la croire. De même encore, si c'est que Tata Beno le Bena Veshalom Baolam, s'il n'y a pas de problème de guerre dans le monde, mais eux ils sont en dispute, plus précisément, elle est vraiment effrontée face à lui. Et une fois, elle nous a même raconté, comme ça, la Gemara raconte, ce sera pour dans un jour, une fois, elle nous a même raconté que son mari l'avait déjà divorcé, et puis après, son mari a dû prouver qu'elle n'avait jamais divorcé. On voit que c'est une femme que elle attend que de partir de lui. Dans ce cas-là, on va supposer que peut-être qu'en réalité, elle est en train de nous mentir, qu'elle préfère qu'on lui permette de se marier, comme ça, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, et comme ça, après, son mari va débarquer, et de toute façon, elle ne pourra plus jamais repartir avec lui, puisqu'elle est devenue interdite, donc on ne pourra plus la croire, d'accord? Donc dans tous ces cas, Enan et Menet, elle n'est pas crue. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda vient nous enseigner. Le Olam, Enan et Menet, Ela Imken Bata, Bocha ou Bigdea Kruin. Rabbi Yehuda nous dit, toujours, dans quelle que soit la situation, même quand ils sont en paix entre eux et qu'il n'y a pas de problème de guerre dans le monde, on ne la croira que si elle vient et qu'elle a les habits déchirés et qu'elle est en train de pleurer sur son défunt mari qui est parti. Mais sinon, on ne peut pas la croire. Ouais, il faut qu'on voie. Comme si Rabbi Yehuda, il va nous dire, ben, il faut regarder la mise en scène, essayer d'analyser ce qu'elle est réellement triste de l'histoire. Si elle vient, elle nous raconte vraiment, oui, son mari, il est mort à la guerre. Quelqu'un, il y a une femme que son mari, il est mort à la guerre, elle ne parle pas comme ça. Donc Rabbi Yehuda ne la croit pas. Amroulo, ils ont rétorqué, Rami, Machadzo, Vachadzo, tu n'as c'est dans tous les cas, elle pourra se marier, c'est pas un problème, on ne va pas commencer, on n'a pas de. Ça n'existe pas, le dictateur de mensonges, ça n'existe pas, ça, dans la Torah. On n'a pas de problème avec les gens qui savent mentir en pleurant, ou les gens qui ne savent pas mentir et avec une froideur terrible, c'est pas un facteur déterminant, influent, pas du tout. On s'intéresse aux propos uniquement. Et donc, achadzo, qu'il s'agisse d'une femme, comme la Gemara nous dit, une femme intelligente qui sait la jouer, qui sait jouer la comédie, ou d'une femme un peu trop simplée qui raconte de manière trop froidement, et bien dans tous les cas, si elle pourra se marier si elle nous raconte, et qu'effectivement, il n'y avait pas de guerre dans le monde, et pas de. Il y avait une bonne entente entre eux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.